Salut les loulous, c'est Soma, on se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode du Let's Play sur My Time at Portia. Donc la dernière fois on s'était quitté, dans le dernier épisode, le maire avait fait une annonce qui concernait peut-être un début de quête pour le musée, dont on aurait des nouvelles cette semaine, donc on est lundi là sur le jeu, quand on attaque cet épisode, et on va voir ce qu'il en est. On a un courrier, ça c'est une bonne chose. Alors, de Albert. Alors, Essoma, j'ignore si tu le sais, mais notre mère a approuvé la construction d'un musée à Portia, yes! Il sera situé près du centre de recherche sur la place centrale, et nous devons le construire. Je me suis dit qu'une de nos commandes pourrait t'intéresser. Viens me parler quand tu auras un moment, merci Albert. Nickel. Ça c'est cool, on va attaquer la quête du musée. On va récupérer ça, il nous en reste un à faire. Nos bébêtes. 60% le mouton, ça c'est plutôt cool. 64. Et nos petites vaches, elles arrivent à terme. 81 et 86. En termes de bouffe, on n'est pas trop mal. 38 sur 50, il manque juste 12, ça va. Hop. Ouais, je suis trop pressé. Hop là. Alors ensuite, là il n'y a rien. Ici on récupère tout ça. Voilà. Voilà. On rangera plus tard. Allez, c'est parti. On va faire le bisou à Emily. On va aller voir Albert. On va prendre notre commission. Plein de trucs à faire aujourd'hui. Donc, Emily avec qui on est devenu amis. On a franchi le premier cap, le deuxième étant qu'elle devienne notre femme. Et donc elle est censée pouvoir nous donner des petits cadeaux de temps en temps. On avait déjà vu ça la dernière fois, mais on n'en a pas encore eu. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sérieux ça? J'ai jamais fait gaffe à ça. Tiens, il y a Hack qui se balade. Ok, alors, commission. Ah bah, on a une... Albert est juste à côté. C'est vrai qu'il fait partie de AG Construction. Alors, bah, quête d'Emily, 5 colis en cristal. Je suis obligé de la prendre. Je sais pas si je pourrais les faire, mais... J'ai plus de cristaux, il me semble, il va falloir aller en farmer. Et farmer du cristaux, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Alors Albert, qu'est-ce que tu nous veux? C'est un plaisir de te voir, Soma. Parlons un peu. Nous avons besoin d'une grue mécanique pour porter des choses et construire le musée. Nous n'en avons jamais eu besoin à Portia auparavant. Mais je sais qu'il nous en faudra une si nous voulons réaliser le projet de Gust pour le musée. J'aimerais te confier ce travail. Tu penses pouvoir le faire? Bien sûr, et ça ne dérangera pas les autres constructeurs. Ça marche, et ne t'inquiète pas pour les autres, j'ai des commandes de matériaux qui les attendent. Il n'y a que Higgins qui se plaint tout le temps. Ouais, bah ça, en même temps... Pardon, mais je n'ai pas de diagramme pour cette grue, il faudra que tu en parles à quelqu'un du centre de recherche. Donc on va aller au centre de recherche. De suite. Voilà. Allez, cours mon petit. Là. Voilà. Alors ça va être à Petra, j'imagine, qu'il va falloir parler. Elle est où la pitoune? Elle est là-bas. Alors, tu veux construire une grue mécanique pour Albert? Bien sûr, je peux te préparer un diagramme. Trouve 6 disques de données pour accélérer mes recherches. J'en ai déjà vu à Atara et à Vega 5. Alors, je sais à peu près à quoi m'attendre. C'est assez proche de l'ascenseur de Bassagno. Donc, 6 disques de recherche. Ok.
Donc on va retourner à l'atelier, on va essayer de faire nos fameux colliers là. J'y crois pas des masses. Ça va être compliqué à faire, je pense. Et puis on va récupérer nos disques. Donc ok, là je connais tout le monde. Allez, on fonce. Les disques de données, c'est par là. Tac. J'en ai tellement, je sais plus quoi en faire. Colis en cristal. Alors, c'est là que ça va commencer à être problématique. Alors, ça, il me faut deux cristaux, des cocons sauvages. Les cocons, je les ai où? Je les ai là. Par contre, les cristaux. J'en ai 4. J'en ai 4. Je peux faire donc 2. Je peux faire 2 colliers. Alors, est-ce que j'ai pas un collier de rab qui traîne quelque part? J'en ai 4. Il m'en manque qu'un. Il faut que j'aille farmer des cristaux. Et le seul endroit que je connais. Que je connaisse, pardon, où il y a des cristaux, c'est là-bas derrière. D'accord. Ça s'appelle taper dans le vent. Alors toujours pareil, hein, continuer à faire des petites compos là. On sait qu'il nous faut eux pour les parapluies, on sait qu'il nous faut les lamas pour les pots. Voilà, eux, c'est pour leurs épines qu'on les tape. C'est pas pour le plaisir. Alors les cristaux, par contre, est-ce qu'ils auront repop? Et le souci, c'est... J'ai pas en tête où en récupérer d'autres. Je pense pas qu'un marchand en vende. C'est un petit peu problématique. Quand je pense qu'il y a toujours ce coffre aussi, là, qui nous tend les bras. Qu'on peut pas aller chercher, quoi. En tout cas, que j'imagine qu'on ne peut pas aller chercher. Maintenant, il y a peut-être un moyen que je ne connais pas. Hein. Et là-dessus, là, je vais pas en avoir des cristaux. Dans les ruines, je sais qu'il y en a pas. Non, là, j'ai du marbre. Je vais avoir, ouais, les trucs classiques, quoi. Il n'y a pas d'autres de planqués ailleurs. Ah, il y en a un là, de spot. Je le connaissais pas, celui-là, tiens. Maintenant, faut qu'il soit généreux avec moi. Oh, j'ai eu un saphir. J'ai eu qu'un seul cristal. Il m'en manque un. Là, on peut toujours pas rentrer, hein. Qu'est-ce qu'il dit, lui, quand on essaye? Ouais, non, on peut pas. Hein. J'inspecte cette grotte. Le maire veut que je la transforme en grotte hantée. Impossible de te laisser entrer. Ouais. Ouais. Voilà, il n'y a pas de cristaux. Il y a des pierres de sang, mais c'est tout. Ça se tape pas. Bon, bah... J'en ai pas deux, là. J'avais pas un chiffre impair. Eh ben non. Ah. Bon, on va prendre le bus. Et on va retourner au centre de recherche. Là, je peux rien faire, en fait. Je tente, hein, désespérément, sachant que ça peut pas marcher, mais... Ça fera toujours un peu de compo. Et là, ils ont pas repop. Non, c'est mort. Bon. Centre de recherche. On va prendre ça. Ici. Tac, là, on n'a plus qu'à se laisser tomber. Quoi, ça fait...
Ah, c'est l'école, pardon. Ouais, j'allais dire le centre de recherche qui finit à 16h, ouais, c'est bon quoi. Va falloir se calmer sur les horaires. Alors, Petra, elle est là. Excellent travail, cela m'aidera pour mes recherches. J'aurai bientôt quelque chose pour toi. Donc on n'aura pas l'info de suite. On l'aura par courrier, hein, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des... des cristaux possiblement aux ruines hasardeuses, mais je crois pas, quoi. Map. Enfin, c'est ruines périlleuses, en fait, le nom, maintenant, hein. Théoriquement, non, c'est pas possible. Je vais regarder les boutiques avant que ça ferme. Genre, toi. Non, ils vendent ça. D'ailleurs, je vais lui en acheter de ça. Je prends les 10. Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a des tenues aussi que je pourrais m'acheter. Vu qu'on peut pas s'en crafter de nouvelles, avec de la bien meilleure défense. Comment on est équipé, nous, en fait? On a la tenue plus 10, plus 10. 10 en défense, 10 en fortitude. Et là, elle propose quand même des trucs plutôt badass. Allez. On sera plus résistant. Ah, oh, ça fait une autre gueule un peu quand même. C'est pas mal. On a un collier là, mais il nous donne 8 d'attaque. Chance de critique. Je vais aller voir ce que j'ai à mon atelier. Toi, tu vends pas des cristaux à tout hasard? Ah non, forcément. Bon. Allez. J'ai une épée aussi. D'ailleurs, j'ai un abonné qui m'a rappelé que j'avais une épée à faire. Et que logiquement, avec les améliorations que j'avais fait, je pourrais peut-être me la crafter. Il fallait notamment des carcasses là de bestioles. Sam, quand on avait affronté le roi des rats, nous en avait récupéré. Donc, au niveau des colliers, j'ai ça qui donne 5 en défense. C'est pas terrible. C'est pas terrible. J'ai quoi moi déjà? C'est plus 10 d'attaque? Non, plus 8. Pff, ah, ça va pas changer la vie. Hein. Perso. J'ai un point de compétence d'ailleurs. Ah, j'ai un point de compétence. Ah, moi je mets de la défense. 12%. Qu'est-ce que j'ai là? Lors d'une lutte, tu as 20% de chance de gagner. Non, on s'en fout. Le prix de vente des objets augmente de 2%, non. Ça m'intéresse pas du tout. Ça, c'est pas mal, ça. Plutôt ça quand je vais miner. Ouais, je vais prendre ça. Allez, appliquer. Du coup, bah si je vais faire ça. Tac. Voilà. On va faire ceci. Voilà. Et j'en ai 5. Je vais aller rendre ça de suite. Alors normalement elle est dans son champ. Même pas. Ça m'indique là-bas. Ah, est-ce que je vais pouvoir lui rendre? Attendez. Ah oui, elle est derrière. Alors, ma petite Émilie, viens me voir.
Ça s'est sacrément agrandi le ranch aussi. Hein. Elle est là. Voilà. Pardon. Est-ce qu'ils auraient pas planqué un coffre? Ce bâtiment n'existait pas avant. Ils auraient pas planqué un petit coffre là? Avant la grosse mise à jour, ce bâtiment n'existait pas. Ils ont pas rajouté un coffre caché. À première vue, non. On peut pas tricher en... Oh, si on peut tricher. Pour grimper. Attendez. Non, là on peut pas. Peut-être ici. Oh, on montera jamais là-haut. Hein. On montera jamais là-haut. Bon, de toute façon, on semble pas avoir de coffre. Oh. Hop. Non, il n'y a que dalle. Ok. Donc, attendre le diagramme, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on voulait? Regardez les chevaux et tout. C'est vrai que maintenant on peut faire des balades à cheval. J'ai toujours pas testé ça non plus. Là c'est pareil, dans l'écurie ils ont pas planqué un truc à tout hasard. Non. Ici on avait fait hein, déjà, la farfouiller pour les coffres. Très bien. Allez, on rentre à l'atelier. On va terminer tranquillement notre petite journée. On va remettre en route nos fourneaux. On va arranger un peu tout notre foutoir et on va regarder pour faire cette nouvelle épée pour être plus efficace. Je rappelle qu'actuellement au niveau challenge des donjons, il nous reste le dernier étage des ruines périlleuses à faire. Je vais essayer de bien utiliser les termes français maintenant. Alors là, faut que je refuel. Ici aussi, parce que c'est à l'arrêt. Nom de Dieu. Là, c'est fini. Là... pas tout à fait, on va ranger tout ça. Donc on a ceci à ranger, on a ça, ça, les plaques ça va pas là, les métaux, tac, les pierres, tout ça c'est pour ici, il y a ça, le charbon, non, non plus. Alors ici, on a ça, ça. Ok. Les disques. Ici, j'ai juste les plaques. D'ailleurs, en parlant de plaques, je dois avoir ma dernière. Ça. Les bobines. Ça aussi, ça, ça, ça. Le caca, la plaque. Non, c'est pas là. Caca. Plaque, plaque. Alors, les caches thoraciques, j'ai dû les mettre. Ah, mais j'en ai que 4, il en fallait 5. Donc... de mémoire, attendez, je vérifie, hein, mais... c'est ça, il en fallait 5, donc je peux pas la faire, quoi. Pfff. Oh, c'est la loose. Ça, je sais pas où le récupérer, quoi. À moins dans le dernier étage du donjon, mais... on testera à nouveau le dernier étage tout à l'heure. Enfin, dans la journée de demain... Ici, je vais juste relancer, allez, des métaux. On va reprendre de tout sur nous. Faut ça aussi. Faut que je refasse des lingots comme ça. Donc ça, c'est ma priorité. Hop. Allez, on balance la sauce. Ici, j'en ai encore 13 à se faire. Donc on va laisser tourner. Ici, on va refaire du cuivre. Tac. Voilà. Ici, du bronze. On n'est pas là pour niaiser. Et là,
Continuer de faire ça. Ça c'est très long à se faire, donc on y va mollo. Voilà, tout ça c'est bon. On peut aller dodo, je pense. Il est 22h35, on n'a rien d'autre à faire. Couper du bois, j'en ai pas l'utilité. Faire un petit peu de corde, vite fait. Il y en a normalement qui traînent. Ou alors je ramasse ça pour nourrir mes bêtes. Ouais, c'est pas idiot. Non, ça c'est du bois. Des plantes. Voilà, on va taper ça. Il y a toi. Il y a toi. Il y a toi aussi là. Ensuite, en herbe, il y a toi. Ouais, je vous vois là. C'est pas la peine de... Non, ça c'était du bois. Voilà. Hop. Bon bah c'est pas mal ça. On va se taper un lama ou deux. Voilà, il avait rien demandé. Ça c'est quoi ça? Ça c'est du bois. Ah, tout ça c'est du bois. Hop. On va remettre ça là. Voilà, 50 ajoutés. On va faire quelques petites potions. Parfait. Et puis bah... Ça va là, les asticots. Voilà. Et voilà, allez au dodo. On va passer à la journée suivante. Dormir, oui. Allez, c'est une nouvelle journée qui commence. On est mardi sur le jeu. On est en automne. On a du courrier. Ça va être du centre de recherche, ça. Tu trouveras si joint le diagramme pour la grue de construction. Il m'a fallu du temps pour trouver la bonne longueur pour la grue, mais c'est réglé maintenant. Bonne construction, Petra. Merci, Petra. Parce que les caches thoraciques là en forme de squelette, si je les trouve pas dans le dernier niveau des ruines périlleuses, je sais pas où je vais les trouver. Hein. À moins que je retourne dans le donjon là-bas. Hein, peut-être. Alors la grue, on verra plus tard. Je vais juste faire bisous à Émilie. On va aller voir pour la commission. J'ai pas une quête qui a pop. Non. Faudrait que je lui fasse un petit cadeau aussi de temps en temps. Il y a longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai plein de choses à faire. Faudrait refaire un rendez-vous aussi, mais... J'aimerais bien faire le truc avec le cheval, mais faudra que je regarde un peu comment ça fonctionne. Je sais pas du tout. Je crois qu'on loue les chevaux au vieux bonhomme, là, au vieux fermier. Je sais plus son prénom. Regardez Hickins qui repart déjà avec sa commission. Lui c'est la première chose qu'il fait le matin. Hein. Ça c'est... Alors... deux... Non. Trois parapluies. Quatre écharpes en fourrure. 192. On va faire les parapluies. Bon, on a une meilleure résistance avec notre armure. On frappera pas plus fort mais... Mais pourquoi pas. Donc on va tenter les parapluies de suite. Donc il me faut cuivre. Si je me rappelle bien.
des Fiberclaws et... Oh, j'ai oublié mes animaux. Ouais, et les épines. Par contre, les épines, je crois que c'est par 3, j'en ai 11 de mémoire. Va falloir que j'aille taper des... des masses, j'ai perdu le nom, aidez-moi! Des boules de pique. Je vais aller taper des boules de pique. Et je crois qu'il me faut des barres de cuivre, hein, si je dis vraiment pas de bêtises. Ouais, je peux en faire que deux. C'est ça, il me manque une petite épinette. Hein. Allez, avec de la chance, on en a un qui nous attend là-bas dans le coin. Là-bas. Ouais, il y en a trois même. Par contre, il va falloir que je les refarme même parce que... Ok, je fais trois parapluies, mais j'en fais pas plus là. Pardon. Je croyais que je t'avais tué. Petite erreur de jugement. Bon, toi, allez, tu vas passer à la casserole. Allez, on va faire cette commission, on va aller la rendre, puis on prend le bus direction les ruines périlleuses. C'est là que ça se passe. Voilà. Je vais aussi faire... alors, je vais récupérer ça avec de la corde. Je vais lancer 2-3 2-3 trucs comme ça. Voilà. Faut que je me vide les poches. Ça va là. Le bois. Les métaux. Les parapluies, je les garde. Et le caca. Voilà. La quête, hein, je la rends ici. Ok. Ah, guilde du commerce. Ça doit être à Antoine qu'il faut la rendre. C'est bizarre. Non, c'est à AG Construction. Ah, c'était Gust ou machin. C'était Albert. Oh. Oh, pardon. Alors. Laisse-moi passer, je suis pressé. On va prendre notre épée en main. On l'a déjà. On va prendre le DD Transport. Et on veut aller ici. Voilà. Et puis bah on va aller taper du Jutremont. Hein. Alors ici il n'y a pas de cristaux de mémoire. Hein, dans cette zone. J'en ai pas souvenir d'en avoir vu. Vu qu'on cherche aussi des cristaux. Hein. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. C'est ce dernier niveau qui est chronométré. Mais le timer est vraiment serré. Alors j'espère qu'on va beaucoup mieux encaisser qu'avant. Donc là, faut vraiment pas perdre de temps. Hein. Voilà. Ok. Alors ici, faire ça, ça, ça. Oula. Comme ça. Là. Ok, on monte là, ici. En plus, il y a des jumps et tout à faire. C'est de la folie. Alors, je monte où là? Je pense que je monte là-haut.
Ouf. Je l'ai évité de justesse, hein. Là, on monte là. Ok, premier niveau fini, mais tout juste, hein. Enfin, il nous reste 25 secondes, c'est pas énorme. Waouh. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? Là, il y a un coffre. J'ai plus de stam, je peux pas courir. Ok. De toute façon, je suis obligé de tuer tous les mobs. Hein. Ok, alors on a... Voilà, on prend ça. Ensuite, on va aller tuer lui là. Alors il est passé où? Il est là. Ok, on court, on court, on court, on court. Toi en premier. Voilà. Alors encore des jumps. Je sais même pas comment je l'ai évité, mais bon, je l'ai évité. Voilà. Petit coffre ici. Passe là en face. C'est juste, juste, juste. Hein, niveau timer. Donc on est au troisième étage. Alors, on va faire ça. Ah! Laisse-moi te taper. En termes de dégâts, ça se passe plutôt pas mal. Il faut que j'active ça. Ok. Voilà, on active ça. Là. On revient en arrière, on court, on court, on court, on court. Ah, ça a pas ouvert. Ah si, ça a ouvert là. On prend le coffre, on active. Allez, on cavale devant. Ok. Elles sont résistantes, hein. Ouf. Ici, il n'y a rien. Le coffre. Le coffre. J'ai des ennemis qui repop, mais je sais pas où. Ah, ils sont dedans. Voilà. Est-ce que ça va repop? Non. Allez, on court, on court, on court, on court. Il nous reste une minute et on n'a pas fini. Ça marche. Pas facile. Ok, toi. Voilà.
Voilà, on monte. Ok, ok, ok. On court, on court, on court. On est tout bon. On a un peu de temps. Est-ce que j'ai rien oublié? Non. Non, ça m'a l'air bon. On passe à l'avant-dernier étage avant le boss. Alors, c'est un étage... Je vais pas dire calme, hein, parce que c'est pas vrai. J'ai plus de stam, mince. Ça va être coton, hein. Ah, il tire à travers les murs, c'est sérieux? Dac. Hop, hop, hop. Ok, on va te faire toi. Je vais prendre le coffre. Ok, 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 on se calme. Allez, on peut monter. Ok, on est au truc final. Je vais pas prendre... je vais pas me régénérer rien. Je connais les boss. Je sais comment ils fonctionnent. Allez, c'est parti. Bon. Voilà. Bon, je me suis loupé, mais c'est pas grave. Faut vite revenir au cac, voilà. Là, on le massacre. On revient vite au cac et c'est fini, voilà. Et c'est une belle victoire. Oh, on a eu des trucs sympas, j'ai l'impression. Oh, je peux pas casser les caisses. Ah si. Bon bah c'est nickel, on a réussi enfin ce niveau. Je suis content. C'est plutôt cool. Alors par contre, j'ai pas eu de cristaux, hein. C'est ce que je pensais, mais bon, c'est pas grave. Alors, ces boss-là, quand on a compris la technique, même avec en étant mi-vie, en arrivant devant, j'ai pu le battre facilement. Bon, il me restait pas grand-chose, hein. 53 points de vie, il me reste. Mais c'est passé. Surtout, je suis allé bourrin, il y a plein d'attaques que j'ai pas évitées. Voilà, donc, eh ben, on a fini l'ensemble des niveaux. De ce que j'ai compris, les développeurs risquent d'en rajouter des nouveaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense pas que là, on débloque autre chose, parce qu'on voit qu'on est ruine périlleuse, station d'épuration niveau 1. Bon. On a tout clear. Hein. On est plutôt pas mauvais, je dirais. Donc là, si on essaye de y rentrer à nouveau, voilà, il n'y a pas d'autres niveaux, on est bien d'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, les loulous, c'est on va aller voir ici. J'ai envie de retourner voir dans ce donjon, là. Parce que non seulement on n'a pas eu de cristaux, mais je vérifie, mais on n'a pas eu non plus de cage thoracique. Et... oh, 150 de dégâts. Sérieusement. Oh, regardez-moi ces patates de forain qu'on va pouvoir mettre. Oh la vache. Génial. Laisse-moi monter. Alors, nous, on veut aller... le bâtiment, il est là-bas. On veut juste aller voir si on peut refaire le donjon. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre sinon
Après, c'est que des objets qu'on connaît déjà. Il n'y a rien eu de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. Ok. Ok. Ah, ils sont terribles, ces gants. Alors, est-ce qu'on peut refaire des combats là-dedans? On va tenter, j'y crois pas des masses, mais je pense qu'on va revenir en haut. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Attendez, là, alors, je suis censé être où, moi, sur le plan, là? Je suis censé être là, non? Attendez, est-ce qu'on peut franchir cette porte? Non! Non, non, non. Mince. Donc, à première vue, on peut pas le refaire. Ah, c'est dommage. Et comment on fait pour avoir ces cages thoraciques, alors? Parce que c'est bien de proposer le craft, mais comment on fait pour les... pour le crafter, si on peut pas récupérer l'item? C'est la question que je me pose, ça vraiment là. Ouais. Bizarre, bizarre. Du coup, on va repartir. On va aller relancer nos fourneaux, tout ça, puis on va passer à la journée suivante. Le pont, il est là. Enfin, l'ascenseur. On va aussi commencer à regarder, du coup, bah, cette grue. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour crafter cette grue? Alors là, l'ascenseur, je m'en fous un peu. Alors, on va revenir ici. C'est vraiment pratique, hein, ce système. Ah, mais la taille des gants, quoi, sérieusement, quoi. Oh, patate de fond, hein. Oh, faut que j'aille tester ça sur un lama, quoi. Obligé. Une victime, vite. Bon, là, je peux pas vraiment m'en rendre compte, mais j'ai fait un 118 en coup normal. Et du coup, l'épée, cette épée, alors finalement, elle vaut peut-être pas le coup, en fait. Elle vaut peut-être pas le coup. Elle fait combien de dégâts? Elle fait 105. Bah non, pas du tout, en fait. Alors, j'ai moins d'allonge, j'imagine. Mais bon, ça le fait, quoi. Tac, relance. On récupère tout ça, tout ça. On le range. Ah oui, il faut que je range tout mon foutoir. Ah ben oui. J'en ai du bordel. Ah si, j'ai eu ça par contre. Des câbles en acier. Ça, c'est cool. Alors, j'ai ça. Et le petit lingot. Tout ça, ça va à côté. J'ai ça. Et c'est tout. Ensuite, on passe ici. Donc c'est ça. Les trucs comme ça. J'en avais déjà en fait. Mais bon. La puce. Celle-là non. Ça va à côté. Les tuyaux comme ça aussi. Ça. Il y a ça. Il y a ça. Le moteur. Ça c'est de la bouffe. Ça va là. Avec ça. Ça. Les pots. Il y a ça et ça. Les fioles, ça là. Donc normalement, il y a tout qui va ici. Non, pas ça par contre. Ça, voilà. Alors ensuite, je récupère ça. Donc là, tac, 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 tac. Non, pas ça. Par contre, il y a ça. Ici, on a ceci. Ça, je crois que je l'avais vendu. Ça faudra que je le vende. Les petits plats mijotés.
Les saucisses et compagnie. Voilà. Alors, et notre fameux plan qu'on va regarder. Encore. Alors, la grue en construction. Il nous faut 4 poulies. Oh, charpente en acier, il en faut 3. Et un monte-charge. Pouah. Des planches en fer bois et des câbles en... Alors ça on a. Ça je pense qu'on sait faire. Ça aussi. Par contre, monte-charge. Ok. Il est quelle heure? 23h30. Alors. Oui, tout à fait, on sait faire normalement. Les poulies, je les ai loot. Enfin, je sais pas pourquoi l'item me dit quelque chose. Non, je les ai pas loot. Ah, dans quoi ça se craft? Alors les planches c'est ici, il faut du mucus et du gros tronc. Donnez-moi du gros tronc. Donnez-moi du mucus. Et je vous sors des petites planchettes des familles. Comme ça, on va en faire 10. Ok. Récupérer les matériaux suivants et transformer-les grâce au broyeur. À fabriquer sur un établi niveau 3. Ah bah voilà. Établi niveau 3. Établi niveau 3. Ok. L'établi, c'est bien ça, hein. Ouais. Ok, faut que je transforme mon établi. C'est ici, je peux pas faire... Et ici... Ah, la poulie, elle est là. Ok, 4 lubrifiants et 8 barres de carbone. Je vais lancer les crafts, hein, parce que... ça... Et... Ça... c'est 4, hein, c'est ça. Ouais, c'est 4. Bon, déjà, lancer ces crafts-là... Et puis on regardera demain pour la poulie. Je sais pas du tout. Les rondins. Ouais, je sais pas ce qu'il faudra pour faire ça. Ça va être la surprise. On ira à AG Construction voir ce qu'il nous faut. Allez, on va passer la nuit. On va faire la nuit suivante. Enfin, la journée suivante, pardon, je me mélange les pinceaux. En fait, je suis tellement pressé de voir les nouveautés, les nouveaux trucs que... Ah, c'est l'impatience, en fait. Qui me fait un peu dire n'importe quoi. Alors, on a un courrier. Sans résultat de recherche. Ah! Une machine à recycler. Il faut qu'on prenne nos disques pour aller relancer une autre recherche. Alors, on va récupérer ça. On en a fait la moitié. On va avoir nos petites bébêtes. Ah, elles sont... Certains sont presque finis. C'est top ça aussi, quoi. 94%, on en voit le bout. Un prochain épisode, on est sûr d'avoir une vache de terminée. Sûr et certain. Alors. Poser les bûches. Je vais aller de suite à... Chercher ma commission et je prendrai aussi un petit bouquet de fleurs pour Emily. J'ai envie de lui faire un petit cadeau. Ah voilà, hack. Ah mais c'est lui qui a mis son truc là, d'accord. Tac, un petit coucou.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Trois plaques de cuivre, deux boîtes à bijoux. La boîte à bijoux, j'ai pas de cristaux, donc ça je peux pas. Ça c'est 104. Je me suis trompé. C'est pas grave. Y a pas de mal. J'ai oublié de prendre mes disques. Je vais juste aller chercher les fleurs. J'ai oublié mes disques pour le centre de recherche. Émilie, c'est celle-ci de fleurs. Est-ce que je vais revendre aussi les petites bricoles là que j'ai en trop. Alors toi, est-ce que tu me les reprends? Oui. Bon, ça coûte rien, mais... Par contre, j'aurai pas l'argent. J'aurai jamais l'argent pour monter mon atelier niveau 3. Va falloir que je farme des compos et que j'aille revendre ça. Genre peut-être du minerai, ça vaut peut-être le coup. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais déjà faire ma commission, elle va me rapporter un petit peu de sous, mais ça va pas être non plus la folie. Ah non, je peux pas la faire ma commission. Je me suis trompé. Bah je pourrais l'annuler, hein, mais... ça... Non. Alors, boîte à bijoux. Allez, je revérifie, mais... Ah, il me faut 8 cristaux et 2 poudres. Et j'en ai pas fait d'avance. Les parapluies, j'en avais d'avance en plus. Non, j'ai pas de boîte à bijoux d'avance. On va prendre un peu nos métaux, on va voir ce qu'on peut en tirer. Alors, Émilie. Elle est là-bas. Ah, mes disques. Oh, décidément. Dommage d'ailleurs que les disques, on puisse pas les échanger. Ah, j'arriverai pas à la choper avant qu'elle rentre dans le restaurant. Ah, si peut-être... Voilà, un petit cadeau pour toi, ma belle Émilie. Et un petit bisou quand même. Oh. Alors ensuite. Tac, 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 tac. Allez, cours. Hop. On va vérifier combien ça nous coûte, mais ça coûte un bras, j'imagine. Et faut que je retienne les compos aussi qu'il faut. Établi, upgrade. Ah, il manque pas grand chose hein. Et il faut 30 planches en bois dur et 30 machins anciens. Ok. Ah, c'est jouable hein. C'est jouable. On va aller voir nos métaux, ce qu'on peut, nos minerais pardon, si on peut essayer de faire un peu de sous avec. On ira farmer plus tard dans les prochains épisodes. Donc on va regarder les boutiques. Genre toi. Non pas toi. Moi je peux faire un petit coucou mais... Contente Carole, je t'ai fait un petit coucou. Alors... Il reprend un pour un, c'est sérieux. Autant aller taper du bois alors... Et de la pierre quoi. Ah non, 5 pierres pour... ouais non non. Là c'est vraiment du 1 pour 1. Je pourrais en revendre 100 comme ça, 100 comme ça. Ah mais j'aurais jamais assez. Ma commission va me rapporter combien si j'arrive à la faire? ?500 pièces d'or. Ah j'en serais pas loin quoi. Ça rapporte par contre. Vendre... Je peux pas taper le chiffre directement. Ah, ça c'est nul. Il
faire 100 pièces d'or comme ça. C'est un peu du gaspillage, je trouve, mais bon. 100 de plus. Ah, j'aurais pas assez, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Allez, on va relancer une recherche à Petra. Après, on va aller sur la petite île voir s'il y aurait des cristaux. Elle est là. Ah, je croyais qu'on avait fini les trucs par 10. Bon. Ah, une note de recherche. J'ai la merci de participer à nos recherches. On a eu une note de recherche? Qu'est-ce que c'est? Note de recherche. Note sur les études menées au centre de recherche. Permet d'améliorer la production de l'usine. Oh. Oh, bah, je peux pas la prendre. Ah, work in progress. D'accord. Bah, ce sera pour plus tard. Les devs sont en train de travailler dessus et c'est pas actif encore. On peut pas s'en servir. Voilà, c'est plutôt ça. Du coup, j'ai dit que j'allais aller sur l'île. Voir si les cristaux auraient repop. Pour notre dernière journée. Après, je peux pas faire grand-chose de plus, malheureusement. Ah, les fourrures violettes aussi, je pourrais les revendre. J'en ai plein, elles me servent pas du tout. Oui. Oui, c'est une bonne idée. Alors, il est pratiquement 13h. Faut pas que je me loupe au niveau des horaires pour les boutiques. On va tracer directement. On va juste taper les petits parapluies. J'en ai besoin. Voilà. Ah, je vais tester mes gants, en fait. Il est où, l'autre? C'est un peu lent. Faudra tester surtout dans les ruines en fait, hein, sur des ennemis coriaces. Mais c'est un peu lent, je trouve. Donc là, ah, là ça repop. Ah, il m'en faut 8, hein. C'est pas gagné. Mais l'espoir fait vivre. Voilà, j'en ai eu 2. Hein, n'est-ce pas? Alors, vous là. Donnez-moi vos... Ah ouais, c'est pas... Ouais, non. Je suis pas convaincu. Du tout. Alors, on va aller voir les autres cristaux. Oh, oh, il est gigantissime, celui-là. Oh, on peut le taper. Oh, la taille du truc! Mais je l'ai loupé celui-là tout à l'heure! Comment j'ai pu louper un truc pareil? La vache! Qu'est-ce qu'il va me donner? C'est une blague. 6 pierres de pouvoir. Alors je veux des cristaux. Non mais... C'est une blague! Oh là 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 là. C'est une vaste blague. Pierre de pouvoir, je peux les acheter quoi. Les cristaux, je peux pas quoi. J'ai même pas réussi à faire 4 cristals sur... Oh purée, 6, il m'en manque 2 quoi. Pff, ah là, je suis dégoûté en fait. Il manque 2 cristaux, quoi. Il n'y en a pas d'autres, hein. Il n'y en a pas d'autres. Mince! Je vais pouvoir faire qu'une boîte à bijoux, quoi. Du coup, je vais perdre une journée sur ma commission, à moins que j'arrive à la boucler au prochain épisode, dès la première journée. Et ah, c'est un peu la loose, ça, quand même. Alors, faut que j'aille récupérer vite mes pots et que j'aille les revendre. Mes pots mauves. On est toujours aussi à essayer de faire de l'argent pour l'instant. Vu qu'on n'aura pas l'argent de notre commission. Hein.
Qu'est-ce qui me sert pas du tout non plus dans mes items? Je leur ai fait le câlin, eux? Oui. Allez, on va essayer de revendre tout ça. Parce que j'en ai pas mal quand même, mine de rien, des... des peaux violettes. Avec tous les lamas que j'ai tapés, ça fait un bon moment que j'en ai pas revendu. Allez, 17h23, faut pas que je loupe la fermeture magasin. Ah, c'est bon. Oh yes. Par contre, il a plus une thune. Je peux pas lui revendre les autres. Et toi, tu me les reprends les dernières? Oui. Allez, bim. Ça, c'est le bon plan. Vous voyez pourquoi il faut farmer les lamas? Alors du coup, faut que je prenne... mais AG Construction, ce sera fermé. Le temps que je prenne mes boulons, et je dois pas avoir les 30 planches. Je suis à une heure d'épisode. Voilà, quitte à sacrifier ma journée. Je vais voir. Ou je vous garde la surprise pour la prochaine fois. Je vais prendre de toute façon les boulons sur moi. Voilà. Ça... Il me manque un cristal quoi. Un cristal il me manque. Le dégoût quoi. Un cristal. Et j'ai les planches. Hein. J'ai les planches. Allez, cours. 18h30. Ça va être juste. S'il ferme à 18h, c'est mort. S'il ferme à 19h, ça peut peut-être passer. Allez, Forest. Non, 18h. Eh bien, on verra ça au prochain épisode. On va terminer la journée tranquillement. On va finir de ranger nos affaires. Ça n'est pas fallu de grand-chose. Allez, on va récupérer ça. Ça. Ce qu'on va faire du coup, c'est lancer la construction. Ça, on peut. Allez. Voilà. Donc, on va prendre en main ceci. Pardon, je me suis trompé. Les planches et... non, je vais y arriver. Voilà. On met en 8. On a placé les poulies, les planches en bois. Bah voilà. Il nous restera le câble, charpente et monte charge. Ah, les câbles en acier, ça j'ai. Tac. En numéro 8. Récupérer poulie. Placer câble en acier. Voilà. Nickel. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, ça va là. Donc, le caca, il va là. Le petit machin comme ça. Ça, je vais aller le mettre au mangeoir. On va ranger ceci. Je vais prendre ça. Lancer quelques petits crafts. Voilà. Les planches comme ça, on va les mettre là. Ficelle ici. Est-ce que ça les intéresse, la coriandre? Oui. Mince. Est-ce que j'irai pas taper quelques lamas? Histoire de refaire des peaux violettes. Pourquoi pas, il est 20h30, on a encore un peu de temps devant nous.
les fourrures colorées, voilà. Qui ne servent strictement à rien. J'espère, parce que... Avec tout ce que j'en avais récupéré, tout ce que j'ai pu vendre dans les épisodes précédents, et puis là, surtout aujourd'hui, ce serait con que ça serve finalement à quelque chose. Allez, extermination des lamas. Voilà. Là, il n'y a plus de trucs pointus. On va aller chercher ceux qui sont là-bas au fond. Et on terminera cette journée en relançant nos ateliers, tout ça. Il y a du lama là. Les coccinelles, qu'est-ce qu'elles donnent déjà? Est-ce qu'elles donneraient pas un truc qu'on peut revendre? Œuf d'insecte. Écharpe bleue, tiens. Écharpe bleue. On va regarder après ce que c'est. Hop. Un peu de verdure. Alors peut-être que notre thé se revend bien aussi. Là, on va aller tuer ces trois là en bas. C'est rare qu'il y en ait autant ici. Ok. Et il y en a encore au fond là-bas. Ah, j'ai eu en plus un Fiber Cloth. J'ai pas le nom français. J'en retiens pas. Voilà. Il m'a tapé quoi. Allez, on va rentrer à l'atelier. On va relancer tous nos crafts de lingots. Et puis bah ça mettra un terme à notre épisode. On aura fait beaucoup de choses. Et ça, c'est plutôt bien. Allez, mon petit Soma, cours. Avec tes petites papates. Donc je préfère quand même garder l'épée qui est certes beaucoup moins puissante que les gants, mais les gants sont pas très réactifs. Ils sont plutôt lents et j'aime pas en fait. J'aime pas trop. Oh ouais, il faut qu'on relance nos tables de craft là. J'ai plus de charbon. Je vais quand même en prendre un, celui qui me reste, mais il faudra que je refasse du charbon. Voilà. Ah oui, il faut qu'on relance tout là, on n'a plus rien. Voilà. Ici, on faisait de ça. Voilà. Là on va juste refuel. Et puis bah ici on va faire ouais on va faire du charbon. Voilà. Et refuel. Combien j'ai de bois? J'ai du... Ah ça va, ça passe bien. On va faire ça. Je crois même que il me reste pas une plante quelque part. Non. Alors on peut remettre ça. Ça. On va pouvoir remettre aussi tout ça. Voilà. Alors ça c'est quoi ça? PV max plus 10. D'accord.
Est-ce que j'ai un truc PV max? Ok, ça se met à la place de ça. Non. Ouais, c'est vraiment juste 10 points, quoi. Ok, bon, on va le ranger là. Hop. Ensuite, on a ceci à récupérer. Ici à ranger. Voilà. Ça là. Le cuir, les dents, ça va pas là, les dents. Les os d'ailleurs, ça va pas là non plus. Hein. Chaque fois je les mets là, mais... Ensuite, j'ai un petit caca. Et j'ai des petites fraises. Ah oui, ça, je vais aller mettre ça là-bas. Ajouter. Je suis à 48 sur 50. Il veut pas de mon herbe. Ok. Et qu'est-ce qu'il me reste là? Juste ça. Je vais le mettre là pour être tranquille. Voilà. Bon, ben les loulous, on aura fait pas mal de choses. On est prêt à évoluer notre établi au rang 3. On va pouvoir faire la grue pour avancer dans la quête pour le musée. On a fini le quatrième niveau des ruines périlleuses. Donc on est plutôt bon. Donc j'espère que cet épisode, les loulous, vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis bien amusé. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !